sur moi, papa. Oh, ce sont mes guimauves préférées. Je suis d'accord. Ils sont géniaux. Oui, pourquoi vous en avez tant et moi j'ai un seul marshmallow et je sais déjà comment le manger. Tout le monde aime les guimauves. Grillés. Mais ce ne sera pas que des marshmallows grillés. Je vais l'utiliser comme sauce pour des biscuits. Come on! C'est délicieux. Je n'ai pas besoin de votre pile de marshmallows. Mon échange. Je vais le faire. Super. C'est vraiment bon. Et je vais mélanger toute cette guimauve avec du chocolat. Et je vais utiliser de la sauce tabasco piquante pour m'aider à le faire. Sauce piquante? Mais pourquoi? Vous allez le découvrir. Oh! Elle est sur le point de brûler. Avec tous mes marshmallows. Facile, c'est parfait. Maintenant, j'ai un bol entier de sauce pour les crackers. Stop! Oh, je ne pense pas l'avoir en moi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pousses? Je ne voulais pas le faire. On échange? Ça ne me dérange pas. Super. Maintenant, j'ai des délicieux biscuits à la guimauve fondue. T'en as plein. Je vais aussi les partager avec Ethan. Glouton. Et tellement grossier aussi. Et je vais te faire encore de la sauce. Elle prépare en nouveau quelque chose de délicieux. Je pense que je vais essayer un cocktail. Et pas une sauce cette fois-ci. Oui, t'es une génie. Oui, je vais ajouter quelque chose de bon. Oui, ça va être parfait. Et je vais mettre de la crème. C'est délicieux. Comme c'est bon. Laisse-moi essayer. Laisse-moi essayer aussi. Calme-toi. Oh, mes Doritos. Quel paquet, c'est énorme. Et non, c'est tout petit pour moi. Dommage, okay. Je mangerai le mien. Comme c'est délicieux. Je ne peux plus en supporter non plus. J'ai besoin de tabasco. Et attention. Oh, c'est beaucoup de sauce piquante. Je sais. Mais je suis en casse-cou, alors pas de tabasco pour moi. Oh, t'es courageux, toi. Ouais. Je peux mettre les Doritos dans une sauce très savoureuse. Et ensuite, ça devient encore plus délicieux. Délicieux, tu dis? Alors laisse-moi en essayer aussi. Quoi? C'est du tout. Non, comme c'est épicé. Qu'est-ce que c'est? Tu saurais comment voler mes chips. J'ai besoin de manger. Donnez-moi de l'eau. Tiens la sauce, ça pourrait t'aider. Donne-moi, dépêche-toi. Ah, c'est épicé. Comme t'es faible. Vas-y, toi. Oui, moi. Oh, j'ai si peu de chips. Vous vous moquez de moi? Ce ne sont que des miettes. Oui, littéralement des miettes. Wow, j'ai de la chance. Et ces chips sont énormes. Come on! Je pense que je vais en prendre. Maintenant, mes chips ont l'air pathétiques. Les pastèques sont cool. Bien sûr, mais seulement quand elles sont grosses. Comment? J'en ai un très grand. Wow. Ouais, t'en as peut-être une plus grosse, mais ma pastèque est tout aussi savoureuse. Très juteux et délicieux. Ok. Manger simplement de la pastèque a mieux. Alors, je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi t'as un trou dans la pastèque? J'en ai besoin pour boire tout le délicieux jus de la pastèque. Comme c'est bon. Charlotte, t'es la seule qui reste. Je sais. Je vais manger de la pastèque à l'ancienne. Avec une cuillère. C'est si bon. Et délicieux. Et juteux. Génial. C'est bon. Oui, ça a l'air génial.
Non seulement ça ressemble à ça, mais c'est vrai. Et maintenant, tu peux mettre un délicieux soda dans cette pastèque. Ça la rendra encore plus brillante et plus inexprimable. Et on ne peut jamais avoir trop de soda. Comme c'est cool! Je serais bien une pastèque comme ça. C'est ce que je vais faire. C'est tout simplement magique. Alors, on peut essayer. Non, c'est tout à moi. Je ne vais pas partager avec qui que ce soit. Adid, pourquoi ne pas le glisser de l'entente? Je suis tout à fait d'accord. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Je suis toute mouillée et grossièrement coulante. Super, Nicolas. Mais pourquoi c'est plus? Et la cuillère est si grande. Je pense que c'est parfait. La cuillère est très bien et le pot de Nutella aussi. Je suis d'accord. Regardez juste la quantité de Nutella que j'ai. C'est génial. Oui, c'est amusant. Très cool. Comme c'est délicieux. Regardez-le. Il est déjà en train de manger. Et j'ai une petite cuillère. Alors, changeons. Moi, par contre, j'en ai une énorme. Non, il n'y a pas de changement. Ce n'est pas le règlement. Vous n'êtes définitivement pas en train de passer de cette façon. Quel genre d'intimidation, cela? T'as pas honte de toi? Eh bien, je vais manger comme ça. C'est bon, mais je suis fatiguée de manger avec cette cuillère. Je sais. Et j'aime tellement le regarder. Oui, c'est pas bien de manger avec le doigt non plus. Bien que le Nutella soit très heureuse. Et si je mâchais la corde? Je suis d'accord, ça pourrait nous aider. Je pense que nous aurions dû leur fermer la bouche aussi. Ils auraient pu être simples que détachés. Charlotte, je propose maintenant de délirer ce génie. Oui, non, vous n'allez pas très cruel. Et maintenant, il faut te scotcher la bouche. Parle, parle. Comment que nous mangeons le Nutella? C'est très cool. J'adore ça. C'est mon chewing-gum préféré. Oui, j'en ai tellement. Oui, c'est moi qui en ai tellement. C'est énorme. Et moi, chewing-gum, ce n'est rien comparé à mien. Partage. Non, enlevez les mains de moi. Ok. Alors, je vais commencer. Il faut ouvrir tous les paquets avant de les mâcher. Eh, hey, pourquoi vous me jetez des chewing-gums? Désolée, je ne voulais pas. Wow. Maintenant, moi. Non, attention, ça fait mal. Désolée, je ne voulais pas. Non seulement j'ai le plus gros chewing-gum, j'ai aussi le chewing-gum le plus savoureux. Maintenant, je peux goûter mon Hubba Bubba aussi. C'est vraiment bon. Oui, ça va être vraiment délicieux pour moi. J'ai tellement envie de goûter ton chewing-gum. T'en veux? C'est parti. Oh non, quelle impolitesse. Allez. J'ai tout fait. Il faut qu'Ethan me le donne. Ne touche pas à ça. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais pourquoi tu craches? Envolez-moi. Il m'a aussi craché dessus. Oh non, pas honte ou quoi? Arrête de parler. Non mais regarde quelle bulle je vais faire là. Oh non, il va exploser. Non, c'était amusant ça. Beaucoup. Je me demande ce que nous avons cette fois-ci. What? Je comprends rien. Waouh, ces biscuits sont si doux. J'adore. Vous n'avez pas besoin de manger ça. Vous avez besoin d'en découper de la bonne forme. N'essayez même pas de me battre. Je ne vais pas simplement abandonner. Je suis sûre que je peux le faire. En fait, j'ai une idée. Oh, je me sens un peu mal. J'ai totalement perdu l'équilibre. Désolée. Oh non, mon biscuit s'est cassé. Nous avons notre première valeur aberrante. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Ce n'est pas possible, ce sont les règles. Au revoir. C'est fini, le jeu est
terminé. Tu n'aurais pas dû me menacer. Il n'y a pas beaucoup de temps. Nous devons nous dépêcher. J'ai presque réussi. Je vais essayer à la méthode Barbie. Oh non, c'était une mauvaise idée. Peut-être que personne ne marquera mon biscuit s'est cassé. Je pense que nous avons une deuxième aberration. Arrête de cacher l'évidence, je ne suis pas dupe. Montre-moi ton biscuit. Biscuit? Je n'ai pas encore terminé la tâche, faisons-le un peu plus tard. T'as déjà perdu. C'est cassé. Non, s'il vous plaît, je veux continuer. Ça fait peur. Non, mais n'importe quoi. J'ai presque réussi. Je peux pas m'arrêter. Oui, je suis là. Oh, regarde, on a déjà accompli la tâche. Je vais le faire aussi. Il ne me reste plus grand-chose à faire. Le compteur est bon, des secondes lancées. Ah, nous devons pousser. Allez, allez, allez. Je vais y couper le triangle. 3 secondes, 2, 1. Arrête. Je l'ai fait. Je passe à autre chose. Regardez la forme parfaite. Félicitations. C'est brillant d'imaginer ce qui va suivre. Wow, ça fait beaucoup de hot dogs. J'adore. Voyons si tu peux manger tes portions en 3 minutes. Abandonnez tout de suite et j'irai en première de toute façon. J'ai un excellent appétit. Ne tire pas de conclusion hâtive, Susie. Nous avons une petite surprise pour toi. Voyons à quel point t'aimes le piquant. Vas-y, verse, verse. Ouais, elle peut certainement pas manger ses hot dogs. Il ne me reste plus qu'un petit bout. Cela ne veut rien dire. Pourquoi il fait si chaud ici? Je suis en train de brûler, aidez-moi! Oh, quelle flamme! Tu pourrais facilement faire brûler nos aliments avec ça. Qu'est-ce que tu fais, Barbie? Cela ne s'est pas passé comme prévu. Je volais des hot dogs et j'ai eu du charbon de bois. Mais comment je suis censé manger ça? Aidez-moi, portez-moi de l'eau. Oh non, je me souviens, j'ai une bouteille. Ah, quel soulagement. Je me sens tout de suite beaucoup mieux. Susie, tu ressembles à un ballon gonflé. La belle affaire, mais je m'amuse bien. Ne te moque pas de moi, Barbie. Qu'est-ce que t'as fait? Toute l'eau va ressortir. Sur moi, je vais tremper. Désolée, mais c'est ta propre faute. C'est si froid ici. Il faut s'essécher tout de suite. Oh non, quel froid courant d'air. Non mais je suis presque partie, moi. Ah, cette bêtise, allez, mangez. Non mais pourquoi tu me l'as rappelé? J'en veux pas. Allez, Barbie, ressaisis-toi et fais-le. Oh, ça me coûte rien de le regarder. Je suis sûre que c'est très désagréable. Oui, manger des hot dogs est bien plus agréable. Le temps de terminer dans cette idylle. Je vais jeter un hot dog pour que Polly ne le voie pas. Oh, Barbie a mangé tout le charbon de bois. Elle passera aussi au prochain tour. Le temps est écoulé. Il est temps de vérifier vos résultats. Je vois qu'il n'y a rien sur la table. Je pense qu'il devrait vérifier davantage sur le sol. Ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que je vois? Un dog qui appartient à Polly. Ne sentez pas dans mon siège, je vous le jure. J'ai mangé jusqu'à la dernière miette. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il t'a perdu. Mais ce n'est pas juste. Voici le moment de vérité. Regarde, je pense que c'est une console de jeu. C'est vrai. Vous devriez le dessiner. C'est bon, je peux m'en occuper. Tu dessines comment, Polly? Mon grabat va certainement être le meilleur. J'ai déjà un croquis, il ne reste plus grand-chose. Wow, j'ai sous-estimé Barbie. Elle va très bien. Il faut que je trouve quelque chose tout de suite. Je sais, j'ai trouvé un autre plan astucieux. Fais attention, Barbie. Bientôt, tu n'auras plus rien pour dessiner. Voyons comment tu débrouilles sans pinceau. Voilà, elle est partie. Bien joué. Pourquoi tu rigoles, Cédie? Oh non, t'as ruiné mon pinceau. C'est vrai? Tu peux donc en mettre ta défaite dès maintenant. Mais
du tout. Je ne vais pas abandonner. Oh. Il y a forcément un moyen. Je vais essayer de dessiner avec l'autre côté du pinceau. Ça marche. Ça a l'air plutôt bien. Pas du tout. Elle est encore paix. Rends-moi ça. Je vais essuyer le pinceau pour leur dire un poudre. Ce n'est pas juste, tu ne respectes pas les règles. Bon, je le ferai aussi. Je vais noircir ton dessin avec de la peinture noire. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. C'est vrai, c'est exactement ce que je voulais. Le temps est compté, nous nous arrêtons. Voici mon travail, n'est-ce pas magnifique? Je n'ai pas de quoi me vanter, Barbie a tout gâché. Une défaite sans équivoque, je suis désolée. Comment t'as pu, Barbie? Je pensais que t'étais une bonne amie. Mais tu l'as demandé, n'est-ce pas? Oui, la victoire est à moi. Je l'ai fait. Cette console de jeu est pour toi. Super. Je n'ai pas traversé toute cette épreuve pour rien. Le jeu en valait la peine. Je suis si heureuse. Allez bien, il ne reste plus beaucoup de temps avant que nous nous gagnions. T'es plutôt bonne. Je l'aime bien aussi avec toi. Top là, mon pote. Stop, on ne pouvait pas entrer avec les bonbons. Eh bien, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un moyen. Could you please... Okay. Oh, je peux y aller? Bien sûr. Bonjour. Oui, oui, entrez, il n'y a pas de problème. Oh, waouh, je crois que j'ai pensé à quelque chose. Je vais mettre tous ces bonbons dans mon sac à dos. Et je vais mettre une perruque. Ça y est, je suis une belle blonde. Je vais cacher le sac à dos. Et maintenant, j'ai un ventre. Je vais mettre du rouge à lèvres. Ça y est. Voilà la patiente. Oh, oh. Je vais jeter un coup d'œil. Non, 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 pas besoin d'être dérangée. Entrez, s'il vous plaît. Les femmes enceintes sont magnifiques. Non! On ne pouvait pas manger des sucreries. Qu'est-ce que c'est? Allez, mets tout ça dans un sac. Dommage que j'ai pas pu le mettre en cachette. Oh, oui, bien sûr. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, l'horreur! Docteur, je suis en train de mourir. Amenez-le au bloc opératoire de toute urgence. J'espère qu'ils pourront l'aider à temps. Oh, mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, comment je peux être sans toi? J'ai besoin de toi. Hop là. Je t'ai fait une blague. Voilà ce qui s'est passé. J'ai fait entrer un tas de bonbons à l'hôpital pour toi. Regarde, on est tous réunis. Il y a des marshmallows, des M&M's. Et moi? Oups, je voulais juste un bonbon. Maintenant, je cache les bonbons dans mes vêtements d'infirmier. Alors, vous êtes encore là? Chez l'infirmier? Et votre service est terminé. Vous pouvez sortir d'ici. D'accord. Je ne me souviens pas que cela... Bon, d'accord, je vais aller à la maison. Et voilà mes bonbons. Il n'y a personne. Super. Voici la boîte. Voilà. Oh, wow. C'est tout pour toi. C'est moi, Bob. Regarde. Salut. Ah oui, salut. Quelle surprise. Oh, merci beaucoup. On va tellement manger. Et je peux en avoir un peu, s'il vous plaît. Oui, oui, salut. D'accord, on commence. Oh non. Quoi? Un docteur? Oh non. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas y aller. Non mais toi, tu vas voir. Alors donne-moi ça. Et vas-y, passe dans les bonbons. C'est mieux comme ça. Et toi? Oui, vas-y, passe. Et moi, je sais. Je vais prendre la main. Et je vais mettre des Skittles là-dedans. Et maintenant, je vais faire semblant que c'est maman. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Non, je dois vraiment le faire. Vas-y, on continue. Oh, j'ai tellement mal au bras. Oh non, le pauvre. Aïe, ça fait tellement mal. J'ai besoin de voir le médecin. Courez, courez. Mon bras. Qu'est-ce qui t'arrive, Bob? Qu'est-ce qui ne va pas? Désolé. Oh. Non, mais je t'ai apporté quelque chose, regarde. Hop, mon bras, c'est parfait. Et voici des Skittles. Ouais, t'as aussi une montagne entière de Skittles.
J'adore les Skittles en forme de cerf. Aucune sucrerie n'autorisée. Je me sens pas bien. Non, je passerai pas si facilement. Je vais mettre une robe de chambre de médecin. Ça y est, je suis un médecin ici maintenant. Je vais attacher ma cravate. Maintenant, je peux passer à travers tout ce que je veux. Je mettrai une moustache au cas où. Et je prendrai une valise de médecin. Bon, vers la victoire. Oh, docteur. Oui, j'ai un terrible mal de tête. Aidez-moi. Oh, je sais pas comment vous aider. J'ai pas de fièvre, tout va bien. Non, j'ai très mal la tête. Vous avez des médicaments? D'accord, ouais. Oui, génial. Alors, ouais, génial, belle pilule. Prenez-en pour le mal de tête. Ah, merci, docteur. Quoi? C'est une sœur bleue. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à faire? Je suis un médecin. Je suis dans mon médecin. Ah, ouais. Waouh, vraiment, faire une farce. Oh, je me sens vraiment mal. Une seconde, j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Je voudrais un médecin. Très bien, entrez. Waouh, c'est bien passé. Tellement intéressant. Quelle crosse intéressante. Non, attendez une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que vous avez des bonbons. Ah! Elle m'a attrapé. Amène-moi vite. Bon, passez. Non! J'ai tout un tas de sucreries. Ah là. C'est pour vous, cette rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'adore cette musique. Et voilà, je vais passer. Bon, je vous écoute. Non, mais regarde, j'ai apporté tellement de bonbons pour toi. Waouh, cool, merci. Il y en a tellement, je suis tellement contente. C'est quoi ça? Oh, c'est tellement beau, j'ai envie de danser. Twix, mon préféré. Oh, voyons, regarde, des danses tellement drôles.